Avec le départ de Lucien, le village retrouva son équilibre. Les habitants, ayant vécu l'épreuve de la division et des promesses vides, réalisèrent la valeur de la sincérité et de la profondeur des consultations d'Élisabeth. Sa patience et son authenticité avaient prouvé leur supériorité face aux réponses rapides et superficielles de Lucien. Élisabeth vit revenir à elle de nombreux clients certains avec des excuses pour avoir douté, d'autres avec un respect renouvelé. Sa boutique devint plus fréquentée que jamais, non seulement pour des lectures de cartes, mais aussi pour des discussions, des ateliers de méditation et des cercles de soutien communautaire. Sa présence bienveillante et son approche de la guérison intérieure avaient rétabli un sentiment d'unité et de paix dans le village. Quelques mois après le départ de Lucien, une pleine lune illuminait à nouveau le village. Élisabeth se trouvait dans sa boutique, entourée de ses cartes et de ses livres, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle se sentait en paix, plus connectée à elle-même et à sa mission qu'elle ne l'avait jamais été. Elle pensait à toutes les personnes qu'elle avait aidées récemment, Marianne, qui avait retrouvé la paix après sa rupture, Monsieur Dubois, qui vivait ses jours avec plus de sérénité, et clair, dont les cercles de méditation avaient créé un réseau de soutien parmi les femmes du village. Élisabeth savait que chaque consultation, chaque mot de réconfort, chaque carte tirée avait contribué à des transformations profondes et durables. Elle sourit en pensant à la croissance personnelle qu'elle avait elle-même connue. La tour, la lune et le jugement avaient marqué un tournant dans sa vie, l'amenant à confronter ses peurs, à accepter ses erreurs et à embrasser sa véritable nature. Elle se sentait plus forte, plus sage, et prête à continuer son chemin de guide spirituel. Élisabeth repensa à la tour en ruine, à chaque étage qu'elle avait exploré, à chaque peur qu'elle avait affrontée. Ce voyage intérieur avait été essentiel pour sa transformation personnelle. Elle avait appris que la véritable guérison venait de l'acceptation de soi, de la compréhension de ses peurs et de ses erreurs, et de la volonté de se réconcilier avec son passé. Elle réalisa que chaque personne a son propre chemin de transformation, souvent semé d'embûches et de défis. Le rôle d'un guide spirituel n'était pas de donner des réponses toutes faites, mais d'accompagner les autres dans leur propre voyage, en leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour trouver leur chemin. La transformation personnelle est un processus continu, pensait-elle. C'est un voyage de découverte de soi, de pardon et d'acceptation. Chacun de nous porte des cicatrices, des peurs et des regrets, mais c'est en les confrontant et en les acceptant que nous pouvons véritablement grandir et évoluer. Élisabeth se leva, regardant la lune briller à travers la fenêtre de sa boutique. Elle sentit une profonde gratitude pour le chemin parcouru et pour les leçons apprises. Elle savait que son rôle dans le village était essentiel, non seulement comme voyante, mais comme guide, amie, et guérisseuse. Elle se promit de continuer à aider ceux qui cherchaient des réponses, de les soutenir dans leur propre transformation, et de toujours rester fidèle à elle-même et à sa mission. La pleine lune éclairait sa boutique, symbolisant une nouvelle ère de sagesse et de lumière. Élisabeth était prête à embrasser son avenir avec confiance et compassion, sachant que chaque défi était une opportunité de croissance et de transformation, pour elle-même et pour ceux qu'elle aidait. La paix et la clarté qu'elle ressentait maintenant étaient le fruit de son voyage intérieur, et elle était prête à partager cette lumière avec lui.